C'est désormais lui qui préside aux destinées de cette institution constitutionnelle. Prince Miltris Kabamboko a officiellement pris ses fonctions de secrétaire exécutif du Conseil consultatif de la jeunesse ce 2 novembre lors d'une passation de service avec Juste Bernardin Gavé, le sortant à ce poste. Jeune politique, secrétaire permanent à la force montante congolaise, une union catégorielle du Parti congolais du travail, Miltris Kabamboko envisage orienter son action vers l'autonomisation de la jeunesse congolaise. C'est avec beaucoup d'humilité que nous prenons aujourd'hui fonction. Ces fonctions que le président de la République a bien voulu nous confier. Nous tenons à cette occasion solennelle, à lui adresser nos très sincères remerciements et à lui dire que, comme de bons soldats, nous saurons poursuivre la marche qui a si bien été entamée par notre prédécesseur. Je crois fermement qu'ensemble, nous allons dompter la délinquance juvénile. Je crois qu'ensemble, nous trouverons des solutions pour l'autonomisation de la jeunesse. Voilà entre autres chantiers, grosso modo, que nous aurons à investir dans les prochains jours. Voilà. Appelé à d'autres fonctions, notamment celle de député national, Juste Bernardin Gavé cède le fauteuil à son successeur avec un sentiment de mission bien accomplie. Ce dernier compte donc sur les capacités de son remplaçant afin que l'œuvre qu'il a entamée à la tête du CCJ soit poursuivie. La nomination de M. Prince Miltris Kabamboko en qualité de secrétaire exécutif ne nous a pas surpris dans la mesure où nous connaissons la personne, nous connaissons ses capacités, nous connaissons son sens de responsabilité et nous pensons que le président de la République, qui est un homme de grande expérience, n'a pas porté ce choix-là par hasard. Et s'il a fait ce choix, c'est essentiellement parce qu'il sait que M. Prince Miltris Kabamboko sera à la hauteur de la tâche. Et donc nous disons que c'est vraiment avec un sentiment de reconnaissance que nous quittons le Conseil consultatif de la jeunesse pour aller vers d'autres horizons, notamment l'Assemblée nationale. Le Conseil consultatif de la jeunesse est l'une des structures issues de la Constitution du 25 octobre 2015. Il émet directement des avis au président de la République. Disposé et disponible chaque fois que tu auras besoin de moi.